Salut à tous les amis, c'est le To Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et quel bonheur de finir à 15h30 le mardi après-midi. Oh, c'est tellement bon, oh là là. En tout cas, courage pour ceux qui ont cœur. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur StarCraft 2. Oh yeah. Alors, donc, la dernière fois, on s'en était arrêté bah, ici, sur la passerelle. Je ne sais absolument plus pourquoi, je crois qu'il y avait une cinématique... Ah, c'est bon, ça m'est revenu. On avait assisté à une bagarre magnifique entre notre ami Rainer, ici présent, et Ticus Finlay. Celui-ci avait gentiment déglingué le jukebox et s'était fait électrocuter avec un gros câble de secteur qui sortait de je ne sais où. Enfin bref, il s'est pris une grosse branlée et bah, il a disparu, je sais pas où il est. Donc bah on va retourner au bar pour voir ce qu'il en est. Ah, il a réparé mon jukebox et il est là. Ah, par contre il a niqué une table, oui, parce qu'il a lancé une table. J'avais oublié. Bon, on va l'interroger, cette espèce de petit enfoiré. Tu peux m'expliquer ce que c'était que ce bordel? Tu sais, ces dernières semaines, à force de t'aider à combattre pour la bonne cause, je crois que j'ai pris goût à la vraie liberté. Ah, tu m'étonnes. Mais tout ça va se terminer, vu que tu fonces vers le héros tête baissée. Et pour une cause dont je me fous éperdument. Et ils sont passés où tes beaux discours sur comment aider l'humanité en ramassant du pognon? On dirait simplement que plus on approche de ta reine des lames, disons juste que les choses ne marchent pas toujours comme on voudrait, Jimmy. Ouais, c'est exact. J'ai besoin de toi pour ce coup, Ticus. Fais-moi confiance. Oh oui. En souvenir du bon vieux temps. Oh oui. Ok, ok, je suis avec toi. Ah, ça, c'est ce que j'aime entendre. Là, je te reconnais. Oh yeah! Le bon vieux temps. Et il regrette le bon vieux temps. Ah, notre héros. Comment je peux vous aider, monsieur Raynor? Vous observez le bar en permanence. Dites-moi ce que vous avez remarqué. Ticus, c'est juste qu'il a l'alcool mauvais? J'aimerais vous dire oui. Toute cette rage et cette jalousie. Il lutte contre une chose qu'il ne veut pas faire. Vous verrez. Ah bah écoute, si je je sais même plus ce que je voulais dire. Bon bref, c'est pas grave. Normalement je crois qu'on avait acheté tous les mercenaires. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Si je voyais effectivement. Ah, la revanche de Jackson. Oh, le cuirassé pirate. On achète. Deux au fait. Yeah, un portrait. Bon tiens, ça me permettra d'avoir un... D'avoir un autre portrait pour le multijoueur. Youhou! Donc ça fait deux au fait plutôt. Bah, gratos. Comme ça, sans rien faire, en achetant juste un bateau. Un vaisseau pirate. Les infos. Ici Donny Verbeek, en direct des studios de l'UNN sur Coral. Des nouvelles perturbantes ce soir, puisque le prince héritier Valérian semble avoir disparu. C'est exact, Donny. Le prince Valérian devait faire une allocution lors du lancement du nouveau croiseur du Dominion, l'Étoile Blanche. Mais la cérémonie a finalement dû se poursuivre sans le prince, qui n'est jamais arrivé. Oh, quel dommage! Le gouvernement n'a fait aucun commentaire. Quelle que soit la situation, toute l'équipe de l'UNN espère que le prince va bien. Oh, Junior va très bien. Oh oui. Pour l'instant. Ok, bon. Oui, alors, armurerie... Alors là, je crois que j'ai tout débloqué, donc aucun problème. Il y a tout qui est au max. Ouais. Swan. Comment ça se passe ici, chef? Mieux. Maintenant qu'on a retrouvé notre vrai commandant. Ah, et notre nouveau meilleur ami, le prince charmant, nous a transmis des plans des derniers modèles de cuirassés. J'ai commencé à travailler sur quelques sympathiques modifications pour nos vaisseaux. Je vais regarder ça. Là où on va, on aura besoin d'être au taquet, niveau puissance de feu. Ok. Ben, nickel. Voyons voir ça. Véhicule, ah bah j'ai plus de thunes de toute façon. Ah, ah oui, non, ça c'est bon, ok. Cuirassé, bon, j'ai pas un pet de thunes. Tout à fait. Bon, ça a pas l'air d'être génial. Slow missile, enfin ouais, bon. Ça fait des dégâts en plus, mais on a pas la thune. Bon, bref. Alors, suivant laboratoire.
Ah, putain, il s'est barré avec les artefacts, l'autre prince, là. Bref, est-ce que ça a changé toutes les théories sur le confinement et l'intégrité structurelle, ça, bon, ok, ça a toujours pas grandi. Et puis ça, c'est toujours aussi dégueulasse. Ah, ça a pas changé. Ouais, c'est toujours aussi dégueulasse. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire une mission du cristal. Ouais. Une bonne mission Protoss. Ouais, donc, ici. Vous avez vendu votre surplus de reliques Protoss à la fondation Moebius pour 10 000 crédits par artefact. Ah, ouais, génial. Ça m'a fait des crédits en plus, c'est vrai. Et ce truc, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Bah alors, c'est parti, les amis. Hein. Je vais peut-être juste aller à la passerelle, interroger Horner, et après, c'est tout. Ça te pose toujours un problème qu'on travaille avec Valérian ? Mengsk s'est révélé être un dictateur impitoyable. Mais on ne peut pas juger son fils là-dessus. J'ai déjà traversé l'enfer avec vous, monsieur. Je ne vais pas vous laisser tomber maintenant. C'est bien. Cette trêve ne durera pas éternellement. Juste assez longtemps pour finir le boulot. D'un point de vue personnel, bravo pour Ticus. Ça faisait un moment qu'il méritait de... Ah, merci. On a mis la main sur le dernier artefact. Ah oui, là je suis en communication, d'accord. Tu peux prendre possession de l'ensemble quand tu voudras. Merci, commandant, et bien joué. Vous êtes aussi ingénieux que ce qu'on m'avait raconté. Je pense que le vent commence à tourner à notre avantage. Il vaudrait mieux. Pour déposer cet artefact en plein chez Kerrigan, il va nous falloir toute la chance qu'on pourra trouver. Soyez tranquille, nous aurons derrière nous la puissance de la flotte du Dominion. Bien sûr. Moi. J'aime pas trop sa tronche à l'autre. Voyons voir ce qu'il y a comme mission. Ouais, il n'y a qu'une mission. Ah, le monde cendreux de Char. Ça, à mon avis, on dirait que c'est une des missions finales. Donc on va pas la faire, on va plutôt faire le cristal. Yeah. Avec notre ami Zeratul. Je suis retourné sur Ayur, notre planète mère en ruine. Oh. La contamination Zerg couvrait toujours une grande partie de notre monde bien-aimé. Oh. Les restes éparpillés du maître esprit étaient toujours là. Un triste rappel de bataille perdue et gagnée. Oh, c'était une phrase profonde et lourde de sens. C'est parti, mon kiki. Je me souviens de la chute d'Ayur. J'aime pas trop l'idée de devoir revivre tout ça. Mais je suppose que j'ai pas le choix. Ah, en gros, ils se sont fait envahir par les Zergs sur leur planète mère. Ce qui, à mon avis, n'a pas eu... Au moment même de sa victoire. Ça n'a pas dû être très joyeux. Le maître esprit Zerg est devenu trop sûr de lui. Oh oui, c'est chelou là, effectivement. Il ne restait plus du puissant maître esprit qu'une coquille tordue et flétrie. Je devais comprendre les souvenirs qui subsistaient encore dans la chair pourrissante de la créature. Ce n'était qu'en prenant contact avec les gigantesques vrilles connecté directement à son cortex que je pouvais apprendre ses secrets. Ah, c'est juste dégueulasse. Cependant, ces innombrables sous-fifres, oh, les sous-fifres qui semblaient se nourrir de sa carcasse pourraient se révéler quelque peu problématiques. Bah, juste un peu. En gros, on va devoir se farcir tous les sbires là, enfin toutes les conneries là, les petites bestioles à la con. Écho de l'avenir. Oh, c'est dur ça, putain, ils se sont fait envahir alors qu'ils avaient rien demandé, les pauvres Protoss. Les unités volantes sont utiles pour explorer la carte et identifier les menaces avant l'arrivée de vos troupes. Ouais, en gros, c'est le rôle des Banshees, quoi. D'ailleurs, on va se faire plaisir avec, puisque je pense que je vais... Ah mais non, je suis con. On n'est plus avec les Terrans, là. On doit diriger des Protoss et donc Zeratul en particulier, il me semble. De toute façon, il est camouflé, donc normalement, si tout se passe bien, on devrait les déglinguer. Si ce chargement veut bien finir, oui. Tout à fait. Ok. Je dois trouver un moyen d'établir un point de débarquement et de transférer des renforts pour maintenir les cercles à distance. Ok, bah déjà, tu peux te faire plaisir. Ok, one shot. Ce loyal observateur monte la garde depuis l'évacuation. Ses capacités nous seront certainement utiles maintenant. Ah ouais, on a un observateur. Alors lui, il faut savoir que c'est une unité camouflée qui permet de...
qui permet de surveiller quoi. C'est un game et il est camouflé, donc il ne peut pas être repéré sauf s'il y a des unités de anti-camouflage quoi. Je serai sauvé. Et là on peut voir même les unités enterrées, alors ça c'est très pratique. On va les faire avancer ensemble de toute façon. On va péter les tumeurs, elles ont pas lieu d'être. Ah. Certains bâtiments abandonnés sont donc restés fonctionnels. Ah. Nous allons les utiliser. Yeah. On va pouvoir gérer les Protoss. Youhou. Cette ancienne valise contient encore de la puissance. Je me demande. Oh. Messieurs, bonjour. J'ai entendu des légendes à propos des puissants colosses. Ah oui, alors enfermés sous Aïur. La balise a dû réveiller ses farouches gardiens. Alors faut savoir que les... Les Zergs perçoivent une menace envers leur défunt maître. Ouais d'accord, alors tu vas me laisser parler cette fois ou quoi? Ok. Donc je disais, il faut savoir que les colosses sont des unités très intéressantes, puisque eux, ils peuvent monter les falaises les et les descendre comme ils veulent. En fait. Jusqu'à ce que nous soyons morts. Oui, c'est bon, c'est bon. Je dois trouver le cortex du maître esprit et en tirer ce que je peux. Va le tirer ton cortex là. Rala. Non, je sais. Et donc. Oui, les colosses sont très intéressants dans la mesure où ils peuvent tout simplement escalader les falaises et les descendre comme ils veulent quoi. Ça fait une unité très mobile et surtout très puissante contre l'infanterie. Faut pas l'oublier. Ah, par contre, avec les Protoss, on n'a pas le. Ah oh, bah tiens, ils sont sous notre contrôle en plus. Vous voyez, tac, tranquillement. On n'a pas le. Comment pourrais-je appeler ça le. Le Vespen automatique. Ah, si il y a des ressources. Utilisons nos observateurs avec sagesse. Avec sagesse. Nous pouvons reconnaître la zone sans nous mettre en danger. Tout est fait. Ah. Oui alors. Oui. Gloire au premier. Ah, et il y a une autre base. Ces portes de transfert semblent fonctionnelles. Il y a peut-être une chance. Ok, il y a des portes. Bah bon, on va pouvoir avoir une nouvelle base. Et putain de Zergling. On va péter ça là. Ah non, on peut pas. Oui, c'est. On va récupérer. On va en profiter. On va essayer de capter toutes les ressources vu qu'on a des colosses. Tac tac. Ah ah oui oui merde. Merde merde merde. Oh, il y a des ultralisques. Alors ça va pas le faire. Alors descendez. On va rassembler. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Alors conduire Zeratul au vrille de Maître Esprit. Zeratul doit survivre, alimenter les obélisques. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. Donc production. Nous devons être prêts à défendre notre base. Et merde. Les Zergs sont en approche. Ok, bah écoute. On va vite. Revenir. On fera venir ici un petite sonde histoire de construire un pylône. Ah merde. Histoire de construire un petit. Ah va chercher ça. Voilà, voilà exactement ce que je ne voulais pas. Et on se fait défoncer. Là, là, là. Heureusement les colosses c'est fait pour ça. Sauf que là j'avais pas prévu le coup. Vous voyez là, on se fait plaisir. Hein. Vos guerriers ont engagé le combat. Le problème, c'est qu'ils m'ont défoncé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va reconstruire les, pour être safe, on va reconstruire les tourelles. Attaque frénétique. Ah oui, d'accord, mais il y a un compteur des attaques. Ok. Bon, on va se faire une petite armée. On va se faire une petite armée gentiment. On va surtout faire beaucoup de sons. On va en emmener une là-bas. Voilà, comme ça ici on aura une robotique et une gates gratos entre guillemets. Ici il va falloir aller déglinguer cette base. En tout cas on va s'attaquer à celle-ci en premier lieu. D'ailleurs c'est par où qu'on entre Excellente question. Alors je sais pas si ce pylône fera effet. Mais on va le savoir tout de suite. D'abord je vais plutôt tenter de me développer. Putain, je me manque sérieusement.
du minerai là. Vous devez construire, vous n'avez pas assez de minerai. Alors normalement il y a une sonde ici. Non, je l'ai déjà renvoyé. Bâtir. Hop, toi au boulot, vite fait. Le seul truc c'est que la robotique est un petit peu loin. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Obélisque. Ah d'accord. J'ai des obélisques à activer. Ok. Évidemment ça m'a pas activé vu que c'était à la limite. Bref. J'ai un petit peu les boules. Bon c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va transférer les guettes. Enfin on va les transformer pour qu'on puisse tout simplement faire spawn nos unités directement. Ce sera vachement plus rapide. Mais par contre ici, attendez, on va se servir de... Ah si, il y a une pente rassurez-moi ici. Oui, on peut monter par ici, d'accord. Sauf que là il y a plein de petits erglings cachés, enterrés. Je suis là. Ouais, bon c'est bon, il y a pas beaucoup. Ah, la deuxième obélisque est ici. OK. Bon ben, on va se foutre au milieu et on va se ramener avec toute la famille. Ils vont pas comprendre les pauvres. Vous n'avez pas assez de minerai. Ah, j'ai pas assez de minerai. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on peut y aller hein. Ah oui, voilà, la petite probe. On va surtout économiser un peu, voilà. Alors, est-ce que l'observateur les a suivis? J'ai pas bien vu. Oui, c'est bon, il est derrière. Alors, eux, ils ont rien compris. Ah, des ressources. C'est toujours ça de prix. Et merde, ça par contre, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, c'est quoi ça? Ça c'est un truc à la con qui ne sert à rien. Alors des pylônes. Il nous faut des pylônes. Comment ça va? Ah oui. Ah oui. On se casse de ce oh. Ah oui effectivement, j'avais pas pensé à ça. Sauf qu'évidemment nos colosses bah, vont nous servir hein. Ah j'ai des pouvoirs. Oh là là, là on fait la masse de dégâts. Sauf qu'il faut que je fasse plus attention. Ils ont l'air d'avoir des trucs un petit peu pas très nets quoi. Attendez, on va aller par là d'abord. Lui va se les faire. On va l'envoyer comme ça en reconnaissance. Ah oui, merde. Ah oui, voilà, par contre il me repère dans cette zone. Les airs que cherchent à nous submerger. Aux armes mes frères. Par contre là je vais ramener la famille parce que sinon je vais me faire défoncer. Là ça toujours plus de trucs. Et ce qu'on va faire directement des gates. Toujours plus de gates parce que là va falloir augmenter la production. Hein. Enfin d'unité bien sûr. On va se faire. On va se construire un pylône ici aussi. Alors, on va voir. Ah merde, ils ont mis un Nimbus. Bon, ça devrait pas trop poser de problème. On va défoncer cette humeur. Votre base est attaquée. Ma loyauté. Ah oui, ça c'est un problème, effectivement. Ah, mais c'est bon, ok, j'arrive à gérer les deux fronts. Ils font pas le poids. Néanmoins, on va rajouter des tourelles. Voilà, comme ça on est sûr d'être safe. Toujours plus de probes au minerai. On a repoussé l'attaque. On va pouvoir y aller. Youhou. C'est parti. Alors lui, Zeratul, il se fait plaise. Hein. Tranquille. On va activer l'obélisque ici. La première vrille du maître. Oui, 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 la première vrille. Tout à fait, la première vrille. La douleur. Oh, la douleur. La surprise. La surprise. Et la mort. La mort. Oh, tellement drama. On va interrompre la production. Tac, 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 tac. Voilà. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide. Est-ce qu'on peut faire des améliorations? On va les faire. Là, tac. Nickel. Ben voilà, c'est bon, hein, on est full. Ici on a une robotique. Ouais, on va prendre un petit tech, petite probe. On va activer cette robot là. Parce qu'on va en avoir besoin. Zeratul, va falloir que tu te ramènes. Et va falloir qu'on ramène cette probe qui va construire ce pylône ici. Juste ici. Enfin juste là. Pour activer la deuxième obélisque. Cette probe, on va l'amener. Oh!
Oh God, what's that? Ah oui, c'est un tout petit peu dégueulasse, hein, comme tu dirais. Voilà quoi, c'est... Je sais pas si c'est vivant ou mort, mais bon, bref, c'est dégueulasse. Attendez, est-ce que je l'ai bien positionné au moins? Ouais, nickel. Ok, bon bah ça doit le faire. Ah merde, je peux pas faire... D'accord, ah oui, va falloir que j'ai... Ah ok, faut que j'aille capturer ce bâtiment pour pouvoir faire des colosses. Mais écoutez, la magie des gates. Alors, on va attendre que ça se recharge gentiment. Et on va aller capturer ce... Cette probe va aller juste ici. Voilà. Là, on va les faire avancer, hein. On va pas attendre. Alors, par contre, je ne sais pas ce qui fait que... Ah, d'accord. Nous avons été emprisonnés dans la matrice énergétique du portail quand il a été Non. Je me suis gouré de boutons. Ah, et j'ai même un... C'est sympa, ça. Oh là, Zeratul, barre-toi. Ah là là, décidément. Zeratul, il a pris un petit peu cher, là. Par contre, là, je me suis loupé. C'est bon, ici. Ça, on va le mettre en 1. Voilà, comme ça, un S. Et là, je peux produire à mort. C'est parti. En même temps, faut gérer ici. C'est pas facile. On pète les tumeurs. Et on pète ce putain de zerg qui sert à rien. Parce que c'est lui qui nous fait repérer, hein, pour info. Voilà. Tac. Ça, c'est toujours des ressources gratuites. Et une base Terran. Alors, je sais pas. Ok. Alors, une base Terran. Yep. C'est bon. T'inquiète pas, Robert. Ils y arriveront pas. Hop, on va faire encore des stalkers. Ah merde, il faut des pylônes. Eh oui. On va en faire ici, écoutez, on va faire la masse de pylônes. Comme ça, ça devrait pouvoir nous tenir un petit moment. Ici, on a déglingué la base. Et encore, encore du Nidus. Encore des Nidus, là, ça va pas, là. Oh, bah ils vont se faire déglinguer. Ici, on va faire... Ah merde. Alors, j'espère que... C'est bon, de toute façon, je m'en fous. Ouais, c'est bon. Même si le lobélisque, elle est désactivée, je m'en bats les steaks. Ici, ils se font martyriser. Ah merde. Non, ça, par contre, c'est pas gentil, les mecs. Voilà. Voilà, ça, c'est nickel. On les retient, on produit. On produit en plus. Ah par contre ils m'ont défoncé ma probe. Ça c'est pas gentil. Bon voilà, leur attaque était moisie. On va aller ici, on va tout défoncer. Et on avance de ce côté-ci aussi. Voilà. Il y a encore une base qui pourrait nous être utile. Alors là, je... Alors c'est par quoi qu'on... Ah oui d'accord, c'est cette espèce de merde. Pétons les ultralisques, bien évidemment. Alors. Ah merde, merde, non. Zeratul, casse-toi. Wow. Oh, il a failli mourir. Putain, il a plus de vie. On pète les tumeurs. Non, casse-toi, Zeratul. T'as plus que 41 PV. Putain, mais il est taré. Et on va péter cette saloperie. Et ben voilà. Par contre là c'est short, hein. C'est très short. Faut que je fasse gaffe à Zeratul. Heureusement que son bouclier se régène. Je ressens la mort. Et la joie. Ok, c'est vraiment chelou. Ok, alors la probe... Ah mais merde, la probe est décédée ou quoi? Ouais, la probe est décédée. Ah non, mais merde, elle était là. Ok, bah je suis juste un petit peu idiot, c'est pas très grave. On va aller construire un petit pylône juste là, voilà. Et après, on va ramener ça à la base. Tiens, tant qu'on y est...
Hop, on va faire une vague de stalker. Voilà, gentiment. On va attendre. Bon, on va en prendre 3, 4 là, 5. Et on va les amener jusqu'à là-bas, comme ça, ce sera fait. Ok, bon, en fait, il s'est régène complet, notre ami Zeratul. Alors, par contre, il va falloir qu'on fasse tout le tour, ok. Alors, ça. Non. Ah putain, ça, ça fait mal par contre. On pète les bâtiments tant qu'on y est, hein. On se gêne pas, hein. Faut péter cette merde. C'est bon. Il est invisible. On va péter celui-là d'abord, en premier, surtout, on focus. Ah, et ça. Les chancres, ouais, faut viser les chancres. Ouais, après, ça. Ah non, ça d'abord. C'est vrai que ça fait des dégâts, ces petites merdes, mine de rien. Faut pas négliger. Mais de toute façon, on nous ramène ça, donc voilà, il ne va pas y avoir de soucis. Les stalkers, ça fait le boulot comme il faut. Le désastre, lequel désastre? C'est quoi le désastre? C'est quoi le désastre? Putain, il me fait flipper, lui. On va réussir à finir sans avoir besoin d'une deuxième masse si tout se passe comme prévu. Alors, faut viser vraiment les chancres. C'est le plus important, viser les chancres dès le début. Sinon, ils font tellement de dégâts de zone que ça, c'est critique. Hein. Pour vos armées, c'est surtout quand on est Terran et qu'on fait masse marine, là, les chancres, ça ne pardonne pas. Bon, nous, on défonce tout ici, toi, ça c'est pas un problème. Voilà, ça c'est fait. Non, d'abord, j'oublie à chaque fois comment ça s'appelle. Ah bah voilà. J'ai pris. Bon, il a presque plus de bouclier, mais ça c'est pas grave, ça se régène comme ça, oui d'ailleurs. Tac. Bah oui, butons ça, hein, à la limite. Votre base est attaquée. Voilà, comme ça, il voit plus Zeratul. Tac. Oh, bah ça, je m'en fous. Par contre, je viens de réaliser un truc. Ouais, j'avais pas tilté, mais... Et merde. Bon, bah, pas de colosse en plus, hein. Bon, par contre, je vais peut-être garder un œil ici. Tac, tu vas aller ici. Voilà, Zeratul va nous faire sa petite lecture divine, là. La troisième vrille. Oh, la troisième vrille. Je ressens la satisfaction d'un plan d'exécution depuis longtemps. Ok. Bah écoute. La peur de l'avenir. Ok, ça veut dire qu'il stresse le truc Zerg là. Ça veut dire qu'il a peur de sa défaite. Enfin moi c'est comme ça que supplémentaires. Ah fuck. Bon là il y a un clampin là qui s'amuse. Oh le fardeau pèse lourd. C'est tellement profond. On pète les tumeurs. Oh ça surtout ça. Voilà ça c'est plus important à détruire. On ramène bien sûr le petit observateur qui fait tout. Tac le métal. Hein. Le minage je veux dire. On va cogner. Zeratul, est-ce qu'il se prend cher? Ouais, il prend cher Zeratul. On le fait back. Ça là, ça faut. Ça faut que ça se barre. Voilà. Voilà, comme ça il est camouflé. C'est nickel. Ah, comme ça ils pourront plus faire de mutalisque. Ça c'est fait. Ça on va défoncer ça. Ça, tous les trucs enterrés. La quatrième vrille. Et voilà, ben bah ça c'est fait. Je ressens une fin. Intéressant. Je dois me rendre auprès du cortex du maître esprit pour comprendre. Eh bien, vas-y, cher ami, je te laisse faire. Et voilà, mission terminée. Salutations, mon frère. Yo. Je vous parle de l'au-delà. Oh, l'au-delà. Tassadar. Mais. Vous êtes mort en tuant ce maudit maître esprit. La mort m'est inconnue, Zeratul.
et elle le restera. Ah ouais, en fait, il est... Mais c'est une autre histoire. Mortel. Oh, je suis venu vous parler du courage de cette créature. C'est un courage, cette merde, là? Du courage? C'était une abomination. Ah, j'avoue. Pas toujours. Les airs ont été modifiés. Un but unique et prédominant leur a été imposé. La destruction de notre peuple. Ah ouais, d'accord. Le maître esprit a été créé avec pensée et raison, mais sans libre arbitre. Il criait et écumait dans la prison de son esprit. Intéressant. Qui a fait ça? Pourquoi? Oh, taré sans doute. Je l'ignore, mais le maître esprit a trouvé un moyen de résister à cette directive dévorante. Il a créé une chance, un espoir de salut. La reine des lames. Ok. C'est de la folie. Elle seule peut libérer les ergues de l'esclavage, et ce faisant, empêcher l'univers de se consumer. Je ne comprends pas. Eh ben non plus, je suis un petit peu con. Oubliez ce que vous savez, Zeratul. Le maître esprit a eu une vision. La fin de toute chose. Et maintenant, vous devez la partager. Ouais. Pas très évolué. Non. Cette vision... Je ne la supporte pas. Arrêtez. Oh, ça fait mal à la tête. Oh yeah. Deux hauts faits obtenus. Bah c'est la classe. Combien de crédits? Y'a pas? Ah oui, y'a pas de crédit, c'est vrai, oui, je suis con. 19 minutes la mission. Bon, ça va, on a été rapide. Oh, elle était marrante, cette mission. Pas trop compliquée, bon, pour pas dire hyper simple, bien évidemment, mais bon. Ça le fait pas trop, vous voyez, ça fait... T'as pas la classe, tu vois. Barre de l'Hyperion, 23h02. Ah, y'a pas de cinématique. Bah, oh, dommage. Vente de bio-échantillons. On va faire un petit tour au laboratoire avant de se quitter. Juste, on va voir ça. Parce que... Ah oui, non, mais en fait, si. Ok, j'ai reçu 20 000. Ok. Ah bah si, en fait j'avais tout. Ok, bon bah la recherche terminée hein. Bah de toute façon je pense qu'on approche à la fin du jeu et donc de ce let's play hein, finalement. Sauf si j'achète ce que je compte faire bien sûr, Starcraft 2 Out of the Swarm. Je vous ferai la campagne des ergues donc. En tout cas c'est... Quel drama dans cette campagne, voyez-vous. C'est cinématographique, c'est bien fait, c'est scénaristique, c'est tout ce qu'on veut. Mais ah là là, c'est beau, c'est du bizarre. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez un j'aime, un petit commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.